Ah, bonjour à toutes et toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, je suis content. J'avais peur de me réveiller bien, bien plus tard parce que j'ai une semaine, on va dire, agitée, spéciale, rien de grave, soyez rassurés. Mais bref, encore une semaine qui s'est passée pas comme je l'avais planifié, mais rien de dramatique. Positif d'ailleurs en me disant c'est même plutôt salutaire ce qui m'est arrivé. Enfin bon bref, passons. Normalement, je suis censé faire Starbound avec Petit Seb ce matin, mais je ne le vois pas connecté. Je lui avais prévenu hier soir que je risquais de faire grasse mat parce que je me voyais claquer. Le coup de bol, c'est que j'ai très bien dormi cette nuit. Oui, très bien. C'était pas la perfection, je suis réveillé une fois très légèrement pour me retourner en plumard, mais j'ai très bien dormi, donc c'est cool. Ça annonce une bonne journée. Mais il n'est pas connecté, petit Seb. Donc lui, je pense qu'il est claqué de sa semaine et il fait dodo. On va essayer un petit jeu en attendant, qui s'appelle Cyber Utopia. Je sais plus si je peux. C'est dans l'orée des jeux que j'aime bien, vous savez, à la Wolfenstein 3D là. Les jeux en 3D. Ah ouais, il est en 16/9. Incroyable, mais vrai. Alors attendez, option. Ah oh mon Dieu, cette musique! Cette musique au synthé. Alors la question est, comment je fais pour... Ça a l'air d'être un peu fort, je me trompe. Eh, hey, le jeu est beau, je trouve, hein. Moi j'aime bien. Est-ce que j'avais fait des tests? Même pas. Je suis fou, je me lance à l'arrache. Alors c'est quoi l'aide? Ah merde, ne me dis pas qu'on peut pas changer les touches. Ça va être l'horreur. E pour les... Ok. Trouver la cacarde et trouver la sortie. Ok. Vraiment, on incarne cette belle dame. Cette belle cyberdame. Oh mon Dieu. Mission 1. Oh. C'est ça. Mon truc est totalement inutile. C'est extraordinaire. Je vais devoir le jouer au clavier. Je sais pas trop comment. Bon. Une fois n'est pas coutume. Ah merde, on peut pas personnaliser les touches. Alors là, j'ai reculé. Ah d'accord, c'est Z. Oh là, il y a... Attends, si je peux augmenter la sensibilité de ma souris, ça m'aiderait grandement. Wow, trop bien le... Alarm, alarm, it's an enemy. Oh merde, c'est un laser qui me bloque le passage. Cyber Utopia, bientôt sur Nintendo 64. C'est la guerre thermonucléaire. Va mourir. Ah! Il y a des choses, il faut que j'identifie. Eh, j'aime bien! Ah, vous savez, j'adore ce genre de jeu à la Wolfenstein 3D. Vous, ça vous pique les yeux, je sais, mais moi j'adore. Salopard. J'ai un salopard qui m'a allumé dans le dos. C'est des munitions, apparemment je suis à fond. Ah! Le monsieur m'a fait bobo. Bah, c'est une machine fixe.
Insérez la carte pour vous barrer. Sauf que je n'ai pas de carte. Je ne peux rien faire. Ah, qui c'est qui me tire dessus? Merde. Merde, y'en a du monde. Y'a un salopard dans les... T'es qui toi? Oh. Qui êtes-vous? Parle. Qu'est-ce qui m'a tiré dessus? Ah, c'est la carte d'accès. Chic. Wow. Wow, apparemment c'est différents prisonniers. Mais toi, tu peux te barrer ou t'es mortifié? Oh mon dieu. Ah, je peux y aller le couteau aussi. Alors. Ah ouais, c'est un style. Il a la bougeotte. Oh mon dieu. Mademoiselle, permettez-moi de vous faire vibrer. Il y a des passages secrets? Je crois pas. Ok! Oh la vache! La transition était d'une rapidité chiquipouic. Attends, on peut sauvegarder? Ah ouais. Voilà. C'est quoi ça? Alarme! Ah, faut tirer sur les lasers pour les péter. C'est quoi cette rame de métro? Ça change un peu de c'est quoi cette bouteille de lait. Ah, mais fallait savoir. Ah merde, ça veut dire que les autres, au premier niveau, je pouvais les libérer. Bon, ça veut dire que je referai une partie dans le futur. Je recommencerai le jeu. Mais... Wouh! Tant de pixels. Mais c'est un train, en fait, que nous voyons là. It's a train. It's a train train quotidien. J'ai la guerre thermonucléaire. Hey, j'allais dire des grands couloirs, il n'y a personne, c'est pas normal. Il y a quelqu'un derrière moi ou j'ai rêvé? C'est la guerre. Le contact du matin est un robot pollueur de chat. Aïe! Tu vas mourir, toi! C'était un scandale. Mais. Ah, je suis con, c'est bon.
qui me plaignait de corridors vides, bah voilà. Comme ça, vraiment bien un peu machin. Oh ce jeu, je l'adore déjà. Je dis oui. Je dis oui à Cyber Utopia. Me méfie là le coup des conteneurs parce que. Oh sa maman. Oh. Wouah. C'est quoi ces tourelles canon? Et ils vont m'avoir les salopards. Oh, vache. Oh là là le machin. Parce que j'ai pas la carte pour me barrer. Non, par contre, je peux me promener dans le niveau à la recherche des trousses à pharmacie parce que. Ah, c'est encore un prince. Parce que j'ai pris cher. Il y aurait pas des passages secrets? Je veux vérifier. Il n'y a pas de passage secret dans ce corridor. Ce corridor mystérieux. C'est une bonne ambiance. La musique, elle est bien. Ce dédale. Ah bien. Ce qui me dérange un peu, c'est qu'ils sont inertes et qu'ils ne parlent pas. Je sais pas, ils pourraient dire bonjour, je m'appelle Chukinyaki. Et je ne mange que des knaki dans la vie. C'est toute une populace de prisonniers là ou Oh la vache. Bon c'est bien, moi je refais plein de vie donc je vais pas me plaindre. Cette exploitation. Cette exploitation de grandes pièces me permet de me refaire une santé, littéralement parlant. Oh. Oh. Oh, ces murs. Les murs de l'enfer.
Ah! Je vois un petit Seb qui a lancé sur du... C'est du Starbound, on va se rejoindre. Attendez, je finis mon niveau, et puis je rejoins petit Seb en vocal. Faut-il encore que je trouve la clé? Ah merde, ça marche pas comme ça. Alors ça c'est cool. Wow. D'accord, je suis de l'autre côté du truc. Oh merde! Oh! J'ai trouvé le giga méga flingue de la morte qui tue. Ça fait peur. Franchement, c'est bien dessiné. J'aime beaucoup. Je peux pas en prendre plus de... Putain, merde, j'ai pas trouvé la carte. C'est vraiment labyrinthique comme... Un passage secret, rien. Ah non, je pourrais me faire en papaouter. Merde, c'est un tel magnifique dédale que je sais pas où la carte de sortie. Attendez, il doit y avoir une logique dans le... Nous des lieux. Le jeu est en train de me retourner le cerveau là. Parce que... Bah merde, oui, mais ça c'est la sortie ça. Parce que j'ai pas la carte. J'ai pas la carte d'accès. Je l'ai donc dans le cululu. Attendez, j'essaie de mémoriser la disposition des lieux. Cette violence. Bon, c'est bien, je vais pouvoir me barrer du niveau. C'est cool. Bon, je me suis bien exposé à leur foutue arme. Mais je suis refait. Cool. Donc, une fois que j'ai ça, le truc de sortie était où? C'était pas par là. Aïe, je suis perdu. C'était pas là. Non, non. Ça, c'était pour aller dans la salle spéciale. Bonjour, Christella. Ouais, ça s'appelle Cyber Utopia.
Bah, c'est dans la grande lignée des jeux que j'adore. Des jeux basés sur le moteur de Wolfenstein 3D. Qui aura, oserais-je dire, bercé mon adolescence. Et j'adore. Je découvre, hein. Je l'avais acheté il y a longtemps, mais je l'ai jamais lancé. Et là, je suis déjà à fond dedans. Je termine mon niveau, là, dans quelques minutes, et j'ai rejoint Petit Sep pour du Starborn. Parce que, quand je suis réveillé avant lui, enfin, au moins, j'ai lancé avant lui, je me suis dit, tiens, un petit Cyber Utopia pour démarrer joyeusement le samedi matin. Et, sauf que je suis perdu. Merde. Je suis perdu. Je retrouve plus la sortie. Ouais, ouais, retour de Starborn, ouais. Par ça, j'espère que tu vas bien. Je suis bien content de vous retrouver sur mes directs. Alors, je vous en reparlerai plus ce soir lors des bébés, mais... J'ai mis à jour hier soir mon agenda sur Discord. En gros, vous verrez un week-end sur deux le mois de mars. Je vais avoir un mois de mars bien chargé à titre personnel. Merde, mais non, c'est pas ça. Ah, mais je vais retrouver la sortie. J'avais le problème inverse. J'avais la sortie, mais pas la carte. Et maintenant, c'est tout le contraire. J'ai la carte, mais je retrouve plus la sortie. Une espèce de corridor infini. Mais... Non, c'est pas ça. Ça, c'est des chambres de réfugiés, là. Ah. Merde. Ça fait peur, cet idiot. Bonjour, petit Seb. Oui, je vais te rejoindre. J'arrive. Je termine mon niveau et j'arrive. Moi, je pense qu'un jour le Starborn, parce qu'il date le Starborn, arrivera un jour, je pense qu'ils le mettront gratos. Mais excellent Starborn. Excellent. Ah, je crois que c'est bon. Je reconnais. Il va y avoir le long corridor. Voilà. Oui. C'était Cyber Utopia. On fera la suite une autre fois. Musique au synthé. J'aime beaucoup. Hein. Merci pour les GG. Faut sauvegarder vite. Cette musique-là est entraînante. Le générique est bien. J'espère qu'il sauvegarde vraiment. Il me fait peur le jeu. Il écrit rien. Non, apparemment, ça fait le boulot. Ça fait le café, comme on dit. Attendez, j'arrive. Tabadabadibou. Tibidibidibou. Chibidibidibou. Oui. Ah, ça fait du bien de pouvoir faire son fou.